Ces 10 dernières années, Israël a été plus terroriste que le Hamas. Je ferme les guillemets. Ces propos ont provoqué un tollé. Hein, évidemment, en effet, selon l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont vrais, non? Ah, mais c'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais? Vous ne trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste? Il n'y a pas un terrorisme d'État. Ah. Ce n'est pas condamné comme ça par les instances internationales. C'est votre opinion. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Israël, État terroriste. Attendez. C'est très lourd ce que vous dites. Attendez, des dizaines de milliers de morts ces dernières années. Okay. 4000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme? Vous ne trouvez pas aujourd'hui 37 bébés sont dans des couveuses, sont en train de mourir sous les bombardements israéliens? Et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État? Donc, pied d'égalité, le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. Je dis que ces 10 dernières années, il y avait effectivement eu 6000 morts, je veux dire, c'est une démocratie. Exactement. Israël, quand même. C'est un État colonial et un État d'apartheid. C'est une démocratie. Non, c'est pas une démocratie, Israël. Un État colonial n'est pas pour moi un État démocratique. Un État d'apartheid, un État colonial, c'est pas une démocratie, un État terroriste. C'est très lourd. C'est très lourd ce que vous dites. C'est très lourd. C'est encore plus important que ce que vous avez dit. C'est lourd et c'est effectivement vrai. Je vais dire l'apartheid pour moi. Je dis oui, non. C'est une démocratie. La seule démocratie que je comprends. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez que l'État Israël n'est pas terroriste. Non. Moi, je trouve que la terreur, c'est quoi? C'est de diriger via la terreur physique des populations. C'est se défendre, Israël. C'est se défendre. C'est ce que dit Israël. Je trouve scandaleux que vous dites qu'Israël est en train de se défendre. On donne les arguments. Les mots ont leur poids. Okay. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, bombarder des populations civiles, mettre des checkpoints en place, qu'avoir mis des dizaines de milliers de Palestiniens ces dernières années en prison, c'est du tourisme d'État. État terroriste, État d'apartheid, non-démocratie. Attendez, j'insiste, ce n'est pas que le PTB qui le dit. 104 résolutions de l'ONU condamne en Belgique, Israël. C'est seulement le PTB qui le dit. On est effectivement le seul parti en Belgique n'est pas une démocratie, à dire qu'Israël effectivement est un terrorisme d'État. Et je suis étonné que deux tiers des pays d'humanité considèrent la même chose que nous. En fait, 104 résolutions de l'ONU disent que c'est un État colonial. Vous savez ce que c'est que la colonisation israélienne? C'est important, un État colonial. C'est un État qui accapare des terres et qui assassine des gens.